Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les premières vidéos du coup sur Ghost of a Tale. Vous noterez au passage mon magnifique accent anglais. Heureusement le jeu lui est en français. Ce jeu c'est une découverte totale pour moi, c'est-à-dire que je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Je n'ai juste entendu parler en bien, globalement, hein, de ce que j'ai vu en tout cas sur les forums et sur Twitter. On m'a offert le jeu, donc c'est vraiment, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. Ça va être un petit let's play, et puis on verra si le jeu est bien et intéressant. Peut-être que celui-là, je le ferai en entier en vidéo. On verra bien, on lance. Alors, wow, alors le champ de vision me paraît bizarre. Hop. Fauve, hein, il est à moitié. Le baisser un peu, parce que ça paraît pas naturel du coup. En tout cas, c'est très joli, hein. La petite souris est super mignonne. Je suis un peu proche de lui par contre, donc je vais ré-augmenter un tout petit peu, hein, désolé. Hop, on va mettre entre les deux. Voilà. Je pense que ce sera mieux là. Oula, alors ça a l'air d'être complet en tout cas, hein. Il y a plein de trucs. Un bougeoir, ok. Aliment. On va manger la petite pomme. Voilà, j'ai récupéré un petit peu de points de vie. En tout cas, c'est sympa, ils nous ont laissé notre petite guitare avant de nous enfermer, histoire de passer le temps. Ouais, l'ombre est un peu bizarre. Je récupère des points de vie. Non, il n'y a pas le temps de dormir, comme ça le problème est réglé. Je m'appelle Tilo.
Là, je peux sauvegarder du coup, c'est bizarre. Ah, il est gros l'heure, hein. J'ai bien fait de fermer la porte, sinon ça aurait paru louche. Hop là, il est là-bas. Il dort, c'est bon. Ça va être un jeu d'infiltration surtout. Quoi, un lézard? Ouais, c'est ça. Avec une jambe de bois. Rigolo. Continue ou en savoir plus? Ok. Ouais, ça n'a rien à voir avec la vieille grenouille du coup. C'est même pas un lézard, c'est une grenouille. C'est impardonnable. Ok, notre souris a priori n'est pas vraiment un assassin. Sinon nous aurions dû tuer le garde, je pense. Le bougeoir gelé, j'ai récupéré une bougie. Vêtements dire d'ailleurs. Là, j'ai un ensemble de ménestrels, donc du coup, je vois qu'il y a des bonus a priori. C'est pas très discret quand même, la capuche de ménestrels. Hein. Mais elle est mieux quand même, surtout. Discrétion sonore, malgré le tintement de la petite cloche, c'est plus discret que ça. C'est bizarre, mais bon. Le jeu est fait ainsi, on va pas le critiquer. Alors. Raté, comment je peux l'équiper? Ok.
Ma bougie se consomme. Est-ce que je peux la déséquiper? Excusez-moi. Alors, retirer un objet, voilà. Ok, il n'y avait que ça. Non, ça a l'air d'être la suite. On va d'abord aller le voler le garde. Ah, un bâton. Oui, ça, je m'en doutais un petit peu. Et lui, je peux pas le voler ou faire quelque chose? La sommet, non, ça ne propose rien. Peux pas lui voler sa clé. Oh, tant pis. Je rêve ou c'est le même icône pour... On vous voit, on vous entend. Ah oui, c'est juste un icône de discrétion tout court en fait, que ce soit voir ou entendre. Alors, j'étais en train de marcher, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup il m'entendait. Je sais pas s'il m'a vu. Merde. Ah, il m'a vu. Oui, alors là la caméra fait un peu n'importe quoi. Je suis bloqué ou quoi? Ça voulait pas. Bah là je suis là, je le bloque tout seul, mais là je sais pas pourquoi tout d'un coup je pouvais pas bouger là. Alors, est-ce que ça considère que je vais parler ou pas là? La sauvegarde elle a fait quoi? Ah donc c'est bon, je lui ai parlé. Alors, pourquoi il me voit ou m'entend? Parce que par rapport à tout à l'heure... Ok. Donc je marche en toute discrétion, mais il me voit. Il dormait donc il pouvait pas me voir et je marchais en discrétion donc du coup il m'entendait forcément parce qu'il était endormi donc il pouvait pas me voir. Du coup je suis assez curieux de savoir comment il a pu me repérer quoi. Bordel. Ok. Alors là, je comprends pas là.
c'est le tuto, c'est pour nous apprendre à être discret. J'appuie sur la touche de discrétion. Je marche lentement d'ailleurs. Ou alors c'est mon fameux tintement de cloche là qui le réveille petit à petit. Mais bon. Ah non, il me voit pareil. Il vaut pareil, donc je vais remettre ça qui a l'air, qui est censément plus discret. Mince, bon, j'ai mangé, c'est pas grave, j'avais besoin de vie. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tout d'un coup, maintenant, il se met à me voir endormi, alors que tout à l'heure. Parce que même en fait en furtivité on peut marcher plus ou moins lentement en fait. Ouais, ok. Ça devrait être bon normalement. Ouais voilà, je suis loin, il m'entendra plus. Ok, on comprend mieux. Je vais quand même reculer la vue encore un petit peu. Au final, le champ de vision fait bizarre si on le recule trop, mais en même temps, la caméra est trop proche du personnage sinon, donc. Alors, est-ce que c'est vrai? Youhou, des florins. Alors, sortons d'ici maintenant. Je sais pas si les florins c'est important ou pas, si on en gagne beaucoup ou pas. Parce que du coup là, il y en a un petit peu ici aussi.
les équipes pour éviter de perdre trop de bougies. Ah, 6 florins quand même, ça va. Ça va, ça va, ça va. On va ramasser le bâton. Faut la clé des égouts, ok. J'imagine que c'est la clé qu'il avait sur lui. Non, c'est pas me cacher que je voulais faire. C'était attraper le petit insecte. Voilà. Verrouillé, passe-partout de la prison. Oula, sauter, je pense que ça fait du bruit, il faut que je fasse gaffe. On va aller visiter un petit peu autour avant d'aller voir le garde. Ah yes, une bougie. En fait, ça va être peut-être par là la suite. Clé de la cible inondée, ok. Donc là aussi, il nous faut une clé. Bah malgré la vue bizarre, hein, je trouve vraiment quand on est dans des endroits exigus, la caméra est vachement proche. C'est peut-être un coup à prendre, hein. Je vais l'augmenter, le recul, et puis ça paraîtra peut-être moins bizarre au bout de quelques minutes. Hein. Là-bas, c'est fermé aussi. Pourquoi il commence à me voir? La porte hurlante. Je pourrais mettre un raccourci pour activer ma... Ah si, c'est ça, oui, voilà, c'est comme le bâton en fait, on peut le sélectionner, hop. Ah oui, d'accord, ouais, ça l'a réveillé direct. Bonjour, tac. Dans le tout premier Metal Gear Solid, on était à 3 mètres devant lui il y a 20 secondes et puis ça y est, retournez sur vos positions. Il n'y a plus rien. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Voilà, il est déjà en train de dormir, c'est parfait. On va essayer de lui voler la clé. Risqué. Ah. Quelqu'un qui vous regarde. Sauf qu'il n'y a pas le détecteur de vision comme quoi il me voit. Ah oui, il faut juste être derrière lui, même s'il dort. Ok.
tourne vachement loin quand même, hein. Donc ici j'ai un coffre de secours. Ouh, c'était juste. Il va sans doute faire demi-tour. Je vais essayer de le suivre. Ou alors faut que j'attende qu'il revienne là en fait, puis que je passe dans son dos. De se retourner assez vite. Ah, j'aurai le temps de passer en fait. Ah, c'est pas grave. Alors si ça fait pas trop de bruit, si j'essaie de sortir juste derrière. Ah, il s'en fiche, il n'entend pas. Alors, c'est ici qu'il surveillait. Donc là, porte suppliante, c'est fermé. Ici, un levier. Et je peux pas fermer derrière moi. Ok. Hop, pas de bruit. C'est bon, la porte est ouverte, mais il s'en fiche. Je sais pas encore à quoi ça sert tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un baudrier de pirate. Oh c'est le capitaine du galion, ça sert du lac. Bah, c'est pour ça qu'il aime pas les souris, l'autre. C'est... Son capitaine est une souris. Nid de frelon, il y a un petit point d'exclamation. Allez, voilà. Ça va, j'ai perdu un petit peu de points de vie. J'avais pas le choix si je voulais libérer le coffre pour me cacher dedans. Ah non, il y a encore un nid de frelon. Qu'est-ce qui se passe du coup si j'essaie de me cacher dans un coffre qui a un nid de frelon? Peu quand même. Ah, je pensais que du coup il sortirait immédiatement à cause du nid de frelon. Ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo, mais bon, c'est pas grave. La tenue de pirate. Alors, elle est bien mieux que ce que j'ai, mais je perds le bonus. Je comprends pas parce que ils mettent résistance du costume complet. Ah oui, c'est avec les deux parties en fait. Ouais, il est quand même bien mieux. Il est quand même bien mieux. Ah mais non, mais c'est ok. C'est en plus, ouais, je sais pas pourquoi, ça ressemble à un torse en fait, le chapeau. Donc en fait non, c'est un chapeau.
J'ai eu chaud. Il m'a pas vu dans l'angle. On va attendre qu'il repasse avant de traverser. En fait, tant qu'on n'a pas mangé un aliment, en fait, on sait pas, on voit en bas là, on sait pas combien est-ce qu'il rend en termes de points de vie. Maintenant que je l'ai mangé une fois, c'est bon. Elle est toute mignonne, c'est génial. Par contre, je dépasse un peu, hein, ce qui va pas me voir. Petit, mais je peux pas déplacer les objets. Si je peux. Ah! M'a pas vu. Alors, normalement, en toute logique, là, il me verra pas non plus. C'est proche du mur, ouais, j'avais le temps de. Mais bon, je voulais jouer safe. Ah! C'est bon. Par contre, il y a très peu de son et très peu de bruitage. Hein. C'est très discret en termes de. Le jeu est très discret en termes de son. Tabouret a changé de place, mais il a l'air de s'en ficher totalement. Alors, le truc, c'est que ce qui est pénible, c'est qu'il faut trouver de la place, mais du coup, faut reculer. Peut-être lancer un truc. Ouais, y a tout un truc de bâton. Ok, donc on a compris. Tout à l'heure, ils m'ont expliqué comment le lancer, mais j'ai pas fait gaffe, du coup, je me rappelle plus. Ok.
Ok. L'huile crame très vite, hein. Hop, 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 hop. Lui, il a pas l'air de patrouiller, donc on va l'éviter pour l'instant. On va pas aller en face de lui. Il y en a un autre qui patrouille juste là. Je pense que je vais pouvoir. Faut le cramer, c'était pas un tonneau d'huile. Apparemment non. Waouh. Ah ouais, mais là, lui, il m'a vu là. J'ai rien pour me cacher ici. Ah putain, il se réveille. Alors dans ce cas-là, parce que le tonneau il repop pas lui. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on va balancer un petit bâton. Merde, le problème c'est que celui d'en haut l'a entendu aussi. J'espère qu'il va s'arrêter. Il n'y avait rien. Oh putain. C'est passé. Il a vu. C'est pas passé. Bon, c'est passé. Bordel, je le grains. Un jour de prison et il disparaît. Mais bordel, voilà. Ah, j'ai pas été. Ah si, en bas de l'escalier en droite, ouais, si, c'était fermé aussi par une porte.
Un forgeron. Alors, est-ce que du coup, comme je suis plus en prison, il me considère comme un prisonnier ou je peux lui parler? A priori, je peux lui parler. Je vais lui prendre la carte parce qu'apparemment il faut le faire. Super, faut que je retourne en prison du coup. Ok, un peu comme dans Kingdom Come, si on s'équipe de la bonne tenue, on pourra faire des choses.
fait de mal. Je suis sûr que c'est un des gardes là qu'il a sur lui. Carte de tarot sur la table. En fait, des cartes de tarot partout, en fait. Je sais pas à quoi elles servent encore, mais... On peut se cacher en dessous de la table, c'est... Ça me paraît pas être une très bonne cachette, mais bon. À mon avis, la malle va être fermée, celle-ci aussi. Ah non. Le truc c'est que je vois pas vraiment de clé au mur ni rien, alors je l'ai peut-être raté. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh putain, les gardes passent par là, ok. Et ben c'est assez grand, tout est ouvert, donc je viens de là. Aller un peu partout, donc c'est... dur de savoir où aller. Pas par là pour l'instant. Ah si, c'est bon. Je croyais qu'il bougeait pas. Ah, la tenue du voleur.
Cool. Hop. Est-ce que je peux passer par là du coup pendant qu'il est dos tourné? Et non. Ouch. C'est bon. Et c'était juste. Hein. Et la carte me ramène de toute façon. Ouais, donc ça sert à rien que je me prenne la tête. Ça me ramène dans la cour. Enfin, de l'autre côté de la porte centrale, là, mais. Mais du coup, voilà. Donc, on va aller voir un autre endroit. Là, ça va où? Globalement au-dessus de la cour, on était à l'instant. C'est fou, hein. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut aller. Est-ce que je peux sauter là d'un moyen ou un autre? Hop là, ouais. Et ah, une rose. Ah ouais, elles peuvent être bien planquées, hein. C'est. Fallait la voir. Fallait la voir. Alors. Là, il y a une sorte de truc. Je sais pas si je peux. Ah! Casser une jambe. Ah! Qu'est-ce qui monte? Ils ont pas l'air. Ah bah il m'a même perdu de vue. Ah oui d'accord. Bon. Là je suis revenu dans la cour du forgeron. J'étais rentré par là à l'origine. Donc en fait ça sert à monter. Gna gna gna. Ok. Là on a fait le tour qui amenait à l'autre. Dans l'autre partie de la cour. Là ici c'est la salle. Des gardes. On va aller par ici du coup. Oh, il y a un garde là. Mais je suis aveugle. Comment j'ai fait pour pas le voir? Normalement, il y avait des trucs là. Je vais me cacher. Ah, c'était limite, hein. Petite souris. On va voir si la porte est. On va attendre que le garde reparte. On va essayer d'attirer l'attention du garde à gauche et vérifier si la porte est ouverte ou fermée. Oh! Je sais pas pourquoi tout d'un coup il me voyait. Ok. Oups. Bah ouais, ça a cogné. Je peux pas essayer de voir la porte parce que je suis en combat ou ça veut dire quoi ça? Ah ouais!
fait mal quand même. Pourquoi je peux pas sprinter là? Jusque-là, il m'a pas vu. Il me cherche encore là, il y a encore la musique. Ça a l'air d'être bon. On va manger un petit peu. Alors ça rend, on sait pas combien encore, 8 HP, ok, ça rend 8 HP, un insecte vert 8 HP, un insecte jaune, ah, 16 HP. Suite des vidéos. Je passerai peut-être certains niveaux de détails, c'est bizarre parce que le jeu est pas. Il est joli, mais bon, il y a pas grand chose d'affiché. Et il tourne à peine à 30 fps. Alors que j'ai quand même un plutôt bon PC, donc c'est. C'est peut-être mal optimisé, je sais pas, mais. C'est pas très grave, hein. 30 fps du coup c'est fluide, hein, mais je préfère être plus proche des 60 quand même si possible, ça laisse un peu de marge. Le tour de cette zone, sauf là haut derrière ce garde. Oh, bordel. Ah, pilote qui arrive. Ah non, c'était juste l'ombre de la lampe. Je crois que c'était l'ombre d'un garde. Ah, bah ça revient au même en fait. Il est là. C'est l'escalier qu'il est en train de monter, le garde en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc je lui passe dans le dos. Et alors on peut aller par là. Il n'y a rien indiqué sur la carte. Et ça amène dans le petit jardin ici. Et une rose. Alors je sais pas ce que c'est le petit plus 25, mais quand on trouve une rose. On va ramasser les carottes, hein. Il y en a plein là. Étant donné que j'ai l'air d'avoir un inventaire infini, c'est pas trop grave. Ruche, j'hésite à la toucher.
Allez, on essaye. Ruche abandonnée. Ruche vide. Ruche abandonnée. Ok. Wouah, c'était juste ça. Lui là à gauche, il me voit très vite. On va essayer d'aller à droite. Oh putain, bordel! Bol, il n'y avait pas un autre, il n'y avait pas un autre garde là ici. Alors, je suis où là? Ok, donc je suis dans la petite partie carrée là. Spécial. Hop, hop, hop. Ok. Donc je vais juste finir cette petite partie carrée là et je vais arrêter là cette première vidéo. C'est sympathique, ça a l'air d'être un jeu full infiltration. On n'a pas l'air de vraiment pouvoir se battre. C'est sympathique. La souris est mignonne comme tout. Hop. Lui a pas l'air de bouger. Est-ce que je peux passer par là? Est-ce que je peux grimper? Oui. Ah! La carte est pas très précise. On sait pas trop quand on est à l'étage ou pas. Tu ne me vois pas. Ce n'est pas la souris que vous recherchez. Doucement, tout doucement. A priori, par là, il y a quelqu'un avec qui je peux parler. C'est bizarre parce que le forgeron, il apparaît bien sur la carte, même loin. Là, on a vu un truc de dialogue, mais il apparaît pas sur la carte. Alors, je sais pas si c'est un bug ou... Hop, 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 hop.
Ah, c'est bon, je trouvais bizarre. Allez, bouge. Qu'il a l'air d'avoir un truc dans le dos. Ah, mais s'il bouge, j'aurai du mal à le voler. Fermé. Clé du coffre de salle de guet. Hop, 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 hop. Ma table, vite. Voilà, et là, est-ce que je peux le voler? Ah, c'est juste des mouchoirs. Ok, c'est rien de. Rien de spécial. Est-ce que j'accède à mon inventaire pendant que j'attends? Oui, parfait. Ah, le masque du voleur est pas mal. À mettre sur le visage. J'adore ma petite souris. Les animations de la souris sont super sympas quand même. Ils ont vraiment bien fait ça. Clé du coffre, salle de guerre. Ah bah elle était là. Ah bah alors. Elle était pas loin. Ceinture du voleur, cool. Deux parties du set du voleur. Wow. Je sais pas ce que j'ai fait dans mon menu, mais là tu me voyais, donc j'ai un petit peu panique. Passer en mode fufu. Comment je suis arrivé là, compétences? Quête, inventaire, ok. T'as vraiment tout est mélangé, c'est chiant. Tri, voilà. Tac. Comme ça, tête, 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 visage, voilà, ça y est, tout est mis dans l'ordre comme ça. Ménestrel, c'est pareil. Toile de bure, c'est moins bien. Citrouille, c'est moins bien. Visage, donc là j'ai mon masque du voleur que j'aime bien. La cotte de maille, elle est moins résistante et bah, elle est moins bien dans tous les cas en fait. C'est idiot. Ah oui, mais les gardes du coup ils me laissent tranquille, je crois que c'est ça qu'ils disaient si j'ai le costume complet. Buste. Donc c'est le pirate dont je suis équipé. Taille, un cordon de ménestrel ou tassette de garde. Ah ouais, j'ai tenu une garde du coup une deuxième partie quand même. Ou enfin, la ceinture du voleur. Qui par rapport à la ceinture du ménestrel est plus résistante, surtout aux chutes. Mais je cours moins vite et je récupère moins vite l'endurance. Ouais. Ouais, mais pour le fun, je suis en full voleur, j'aime bien. On va l'équiper. Endurance, normalement, de toute façon, elle part dans tous les cas très vite. Est-ce que j'aurai le temps de passer? Je pense que non, je vais me rester ici.
En fait, si j'aurais eu le temps, parce qu'il reste vachement longtemps devant le feu de cheminée. Bon, le temps qu'ils redescendent. Outils, ok. C'est pour gagner leur confiance, ouais, c'est celle-là. Sauf que ce n'est pas le masque de maille, c'était, ça fait partie d'un autre costume, le masque de maille, du coup. Ok, il redescend. On y va. Toujours dans le petit donjon là. Ah voilà, elle est la personne qui parle. Elle est peut-être tout en haut. Enfin, quasiment tout en haut. Alors, je sais pas s'il y en a une plus qu'une autre. 1, 2, 3, et d'accord, c'est juste le nom de. Celle-là. Ah, c'était laquelle? Comment elle s'appelait? Le rat aux deux queues, c'est ça. Ok, bon bah on va arrêter là, parce que là ça y est, on a fini la première partie du jeu, on est sorti de prison, on a vu le messager.
On a exploré la petite zone là, sauf la zone au-dessus. J'ai pas été voir la cour au-dessus. Donc, mais ce sera l'occasion d'une sans doute prochaine vidéo sur le jeu. C'est intéressant. Alors, je sais pas si c'est super intéressant à voir en vidéo parce que du coup, c'est assez calme. Et pendant que j'explore, c'est vrai que bah, je parle pas beaucoup parce que bah, y a pas beaucoup d'occasions de parler. En tout cas, à jouer, c'est très plaisant. Donc, pour l'instant, agréablement surpris, on se laisse prendre par le jeu, c'est plutôt une bonne chose. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.